Et bien salut à tous les gens, c'est Zikrai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis longtemps, c'est vrai, je suis désolé, des problèmes de connexion déjà tout d'abord, et voilà, les vacances, les examens que j'ai eu en juin, voilà, comme je l'ai dit dans une petite vidéo. Voilà, donc on va débuter sur Ark, voilà, je vais vous montrer comment bien débuter sur Ark. Voilà, là on arrive à la conception du personnage. Franchement, moi j'ai jamais changé, c'est juste si vous avez envie de vous faire chier. Voilà, vous pouvez choisir le nom de votre personnage, et de préférence, quand vous allez spawn, vous pouvez choisir dans la liste à droite qui était là présente, vous allez choisir une zone easy. Comme ça, vous n'allez pas, dès le début, galérer avec des dinos qui vont vouloir vous attaquer toutes les deux minutes et pouvoir perdre votre votre marchandise, votre stuff à chaque fois que vous avez déjà commencé à taper. Voilà, donc on spawn sur une plage, principalement c'est tout le temps sur une plage. Voilà. Et donc, voilà. Donc quand on appuie sur B sur Xbox, hein, on arrive voilà dans le menu du personnage. Donc on a le personnage au milieu, là pour l'instant nous il est nu. Et à droite on a la liste de tous nos notre santé, notre oxygène, tout ça. Donc pour débuter, il va vous falloir du bois, commencer à casser du bois, avoir de la pierre, du silex. Malheureusement au début vous n'avez pas d'outils, donc ça va être à la main, ça va vous fatiguer, ça va vous enlever de la vie et ça va vous enlever de la nourriture. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment vraiment régler ce problème là. Alors déjà, voilà, comme je le fais, vous commencez à casser du bois, du branchage. Voilà, là je peux, vous pouvez ramasser des pierres, vu que vous pouvez pas encore miner de pierres, vous avez pas de pioche. Et bah vous ramassez des pierres par terre, on peut en voir. Là maintenant je peux en construire une pierre, un bois et 10 branchages. J'ai pu construire une pioche, la pioche est ici, voilà. Et donc la pioche est ici, je vais pouvoir casser des pierres pour en extraire des pierres et du silex. Logiquement la pierre sur une pierre c'est logique hein. Mais bon, du silex, et avec le silex vous allez pouvoir commencer à construire une torche, une hache pour aller plus vite avec le bois, plutôt que d'avoir avec du branchage, avec une pioche que du branchage et beaucoup moins de bois. Voilà, avec une hache vous aurez beaucoup plus de bois et moins de branchage, donc c'est mieux d'avoir du bois. Le branchage ça se trouve assez facilement, ça va très très vite par rapport au bois. Voilà. Donc question de survie, je vais vous expliquer vite fait les engrammes à droite là. Donc en bas à droite c'est la santé, c'est la vie, c'est une barre comme à la pharmacie, voilà c'est votre santé. Au-dessus vous avez la force, l'énergie, donc quand vous tapez par exemple, regardez, voilà vous perdez un peu de vie. Et au-dessus vous avez la nourriture, donc pour se nourrir je vais vous montrer, voilà vous enlevez vos outils de votre main. Et ça va être cette petite plante par terre, vous restez appuyé sur Y, ou triangle il me semble sur PS4, voilà c'est triangle. Et donc vous allez pouvoir ramasser les Timberry, les Amorberry, vous allez pouvoir ramasser des fibres, donc les fibres ça va vous servir aussi à pouvoir conceptionner des vêtements plus tard, et pouvoir faire des murs en chaume, tout ça. Donc voilà, un conseil, ne mangez surtout pas les Timberry, donc c'est les blanches, et les Narcoberry, les noires, parce que ça vous endort, et les blanches ça vous déshydrate. Donc voilà, au-dessus de la nourriture là, on a... une goutte d'eau, donc c'est votre hydratation. Donc si elle commence à baisser, vous pouvez aller directement dans la mer pour vous hydrater, ou sinon si vous trouvez un point d'eau. Mais normalement au début vous n'en avez pas hein, c'est quelque chose qu'on se construit dans l'avenir. Voilà, maintenant moi je peux me construire une torche, parce que j'avais du silex, du bois, de la pierre. Voilà, j'ai pu me construire une torche qui va me servir à avoir un petit peu plus chaud quand il fait froid et à voir la nuit. C'est vraiment très utile la torche. Vous allez voir qu'à un moment je vais peut-être avoir froid vu que je suis nu là. Donc c'est vraiment une survie hein, parce qu'on est nu, on est... On a rien, on commence zéro. C'est un peu le comme... c'est comme The Island, une série là qui avait sur M6. C'est vraiment un truc de survie, on est déposé sur une île et on doit survivre, manger, construire des bâtiments, tout ça. Donc là, déjà, nouveau niveau disponible, je vais pouvoir... Ah, donc à droite vous voyez vraiment toute votre liste, santé, énergie, oxygène, nourriture, hydratation, poids, dégâts de mêlée, vitesse. Donc pour le début je vous conseille d'améliorer la santé, ça sera déjà mieux. Et donc du coup vous avez gagné 8 points d'engrammes, et avec les points d'engrammes vous allez pouvoir bloquer des engrammes qui vont s'ajouter à la liste des engrammes, c'est assez bizarre, pour construire ces objets. Donc moi je prends le feu de camp, et je vais prendre aussi la hache pour l'instant, pour aller plus vite justement pour casser le bois. Voilà, donc pour finir pour ce qui est à droite vous avez...
Alors, je construis une hache. Pour ce qui est à droite, vous avez l'enclume. Donc l'enclume, c'est fait pour... c'est votre poids. Donc voilà, les gens, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à la partager et surtout abonnez-vous. Ciao. Il est content.